Bonjour, eh bien nous sommes vendredi après-midi et nous continuons nos déambulations dans les quartiers. Cet après-midi, nous sommes au quartier Saint-Laurent que nous revisitons. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu. Et à Saint-Laurent, on peut prendre l'expression, vous nous avez sauté dessus puisque vous aviez beaucoup de choses à dire. On ne s'attendait pas à ça. Et notamment, ici, on est au centre commercial de la Héronnière. Au centre commercial de la Héronnière, vous n'êtes pas du tout content pour plusieurs choses. Alors, un, centre commercial, il n'y a plus qu'un coiffeur, voilà, qui fait la résistance. Sinon, il n'y a plus de boulanger, il n'y a plus aucun commerce. Donc, il n'a de centre commercial que le nom. Et bravo à cette commerçante de proximité qui continue à coiffer les habitants du quartier. Sinon, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que Saint-Laurent, vous êtes entre la Bélangerie et Maurepas, qui sont très fournis en commerce, mais que vous nous dites aussi, nous aussi, on aimerait avoir un boulanger, un métier de bouche. Bref, un commerce de proximité. Vous nous avez dit autre chose aussi, c'est que cette place avec cette architecture particulière de ces bâtiments, très marquée, vous l'aimez, sauf que elle a été refaite et elle n'est pas du tout entretenue. Les arbres sont pas élagués, c'est dangereux. On a fait des photos nous-mêmes, il y a des branches, des grosses branches qui sont dans les arbres, qui sont cassées, qui risquent de tomber. Donc cet entretien-là, eh bien, vous l'avez demandé, c'est pas fait. Les dalles sont sales, c'est pas balayé. Voilà, alors pourtant la balayeuse elle passe derrière nous, mais elle passe pas sur la dalle. Donc voilà principalement ce que vous nous avez dit. Dernier petit message, vous comprenez qu'on éteigne la lumière la nuit pour de l'écologie, sauf qu'en fait quand vous rentrez dans des quartiers un peu plus isolés, un peu plus retirés comme ça, où il y a moins de vie justement commerçante, le soir, eh bien vous ne comprenez pas que la lumière soit entièrement éteinte. Vous nous demandez est-ce qu'il n'y aurait pas un compromis entre baisser la lumière et l'éteindre complètement, parce que ça vous rassure pas. Voilà ce que vous nous avez dit sur Saint-Laurent, très très riche et des choses qu'on n'entend pas d'habitude. À très bientôt pour une nouvelle déambulation.